Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des palets bretons. On va commencer par fouetter 38 g de jaune d'œuf avec 77 g de sucre. Le but est d'obtenir une crème mousseuse. J'ajoute 102 g de beurre ramolli et je fouette. La texture doit ressembler à celle d'une pommade. Ensuite je vais ajouter 127 g de farine avec 6 g de levure chimique. Donc on les passe au tamis. Et on mélange avec une spatule. Quand la pâte est bien mélangée, vous allez la couvrir et la mettre au frais pendant 2 heures. Alors la pâte a bien refroidi, elle est dure, donc on va la travailler un petit peu à la main pour la réchauffer, pour qu'elle soit plus facile à étaler. Donc on met de la farine sur notre plan de travail et on va étaler notre pâte. Pour l'épaisseur de la pâte, comptez à peu près 8 mm. Ensuite, avec un emporte-pièce, détaillez des cercles de la grandeur de votre moule. Donc moi ici c'est des moules de 5 cm. Donc le but de mettre nos biscuits dans un moule, ça va leur permettre de gonfler. Pour la cuisson, comptez à peu près entre 15 minutes et 20 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi à faire la recette. Merci.